Bonjour. J'espère que vous allez bien. Et pourquoi ça bloque? Attendez. Merci pour les cœurs. Zoku Malagi, ok, il est là. Allô, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous m'entendez bien. David, bonjour, comment ça va? Oui, tout va bien, parfaitement. Tout va super bien. Voilà. Je suis venu à un rendez-vous là à 13h30, j'ai rendez-vous. Donc, je profite pour faire un petit live rapide, chap-chap, comme on dit. Alors, faites-moi signe à partir de 13h20, s'il vous plaît, pour ne pas que j'oublie. À 13h20, faites-moi signe pour que je puisse honorer mon rendez-vous normalement. Alors, est-ce que le son est bon? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que le son est bon? Est-ce que vous m'entendez bien? Je vais avoir des retours par rapport au son, puis on va commencer. Metzoku, est-ce que tu es là? Oui. Pour le Ah, moment, le super. son, moi j'entends bien, je ne sais pas si les autres entendent. Tu m'entends bien? David, tu dit ça bloque. Maintenant, je ne sais pas par rapport aux autres. Je vois les cœurs qui viennent d'une personne, mais je ne vois pas le nom. Je vois beaucoup de cœurs. C'est super, c'est gentil. Voilà. Mais il n'y a plus de commentaires. Tu vois combien nous sommes sur le live actuellement, Moi, Metzoku? je vois quatre personnes. 4 personnes. Waouh! C'est ce que je Alors vois. que je vois. C'est ce que je Ah vois bon? comme chiffre. Ben Yao dit le son est bon. Est-ce que le son est correct? Ok, que sans faute, David t'a dit. Ok, d'accord. Alors, ah, Sainte Brigitte est là. Comment tu vas, ma belle-sœur? Gros bisous à toi depuis ta position. Alors, aujourd'hui, je viens vers vous tranquillement avec mon frère Ahmed Zoku. Vous parlez de quelque chose de très étrange, enfin étrange, quelque chose qu'on regarde souvent comme ça, on fait pas attention, mais ça nous crée des soucis, ça nous crée de gros problèmes qu'on n'arrive pas à maîtriser, qu'on n'arrive pas à comprendre la plupart du temps, mais qui font ces choses-là font que on n'évolue pas, on n'avance pas. Merci Brigitte. On est 6, c'est bien. C'est plus tard que les gens vont regarder, de toute façon. Alors, on comprend pas, mais on fait des choses et on répète toujours les mêmes choses et on souhaite tous que l'Afrique change, que nos pays changent, qu'on se développe, qu'on fasse ces choses. Oui, à 15, faites-moi signe, s'il vous plaît. Mais je suis juste à côté du point. Donc, faites-moi signe. Il est important qu'on puisse en parler rapidement, que les gens puissent faire leur opinion, que les gens puissent parler, réfléchir et voir si vraiment ce qu'on va dire aujourd'hui est vrai par rapport à nos habitudes, par rapport à nos comportements. Alors, Metzoku, je peux te laisser introduire Bon, je sais le pas, sujet du jour. moi j'ai pas bien vu ce que tu as mis en titre, donc T'as pas bien vu ce que j'ai mis en titre, mais en fait, grosso modo, on veut parler de tout ce que les institutions nous qui ne appliquons. correspondent pas à nos réalités, je sais pas, c'est ça, tu. Voilà, exactement. Tout ce que nous faisons sur le plan institutionnel, sur le plan du travail même dans nos pays africains, dans nos sociétés africaines qui viennent d'une autre tradition, qui viennent d'une autre. D'autres coutumes qui viennent d'autres pays,
mais qui ne correspondent pas à nous, nos réalités. Et quand on les applique, en fait, chez nous, on est toujours déçu parce que ce n'est jamais parfait, ce n'est jamais bien fait, ce n'est pas bien fini, on commence, on finit pas bien, ou bien on fait, mais ça ressemble à, mais ce n'est pas pareil, ça n'a pas les mêmes résultats, du moins ça ne me donne pas les mêmes résultats. Voilà. Et on va essayer de parler de certains aspects de ce dont nous voulons parler pour que vous puissiez comprendre et voir, afin qu'on puisse réfléchir nous-mêmes, on puisse se mettre ensemble pour ne plus faire justement les erreurs que nos aînés ont fait plus tôt et qu'on puisse vraiment bâtir nos pays sur des bases saines, sur des bases correctes, sur des bases beaucoup plus réelles par rapport à qui nous sommes. Voilà. Voilà. Bonjour, Fergay Shogou. Comment ça va, la famille? Quoi, Armando, bonjour. Donc, c'est un peu ça, Metzoku, c'est ça? Oui, d'accord. Donc, voilà. Qu'est-ce que je peux dire rapidement? C'est que depuis quelque temps, voire depuis très longtemps, même depuis les indépendances jusqu'à nos jours, on a l'impression que nos pays n'ont pas encore réussi à trouver la bonne formule pour que les différentes sociétés africaines évoluent de façon harmonieuse. Depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, les pays africains sont confrontés aux mêmes problèmes qui globalement ne sont pas totalement résolus et parfois même qui vont en s'aggravant. Quels sont ces problèmes-là? Toujours des questions de guerre civile, de crise interne, des problèmes de chômage, de pauvreté, et des problèmes de système scolaire, des problèmes d'accès aux soins, tout ça là. Donc, Bois Kouassi, dans sa méditation, dans sa petite réflexion, se pose la question à savoir, est-ce que tout cela n'est pas dû à l'inadéquation entre le système, le mode de vie occidental qu'on a adopté et nous-mêmes, notre nature profonde d'Africain? Donc, il se pose la question à savoir, est-ce que le genre de vie qu'on a adopté avec la forme d'organisation politique qu'on a adoptée, est-ce que ça nous convient réellement? Est-ce que ce n'est pas l'inadéquation entre l'organisation politique que nos sociétés ont adoptée, largement inspirée des institutions européennes? Est-ce que ce n'est pas cette inadéquation entre ce choix occidental qu'on a fait de notre organisation politique et notre nature profonde d'Africain? Est-ce que ce n'est pas cette inadéquation entre l'organisation politique européenne et nous-mêmes, ce que nous sommes en tant qu'Africains, qui fait que on n'arrive pas à régler globalement ces problèmes-là au niveau du mode de vie, au niveau de nos crises politiques, au niveau du chômage, au niveau de l'accès difficile aux soins de santé. Voilà un peu le questionnement qui l'anime. Donc, je lui laisse la parole pour donner son analyse, sa lecture de cette situation, la réponse qu'il donne à cette situation. Voilà. Alors déjà, je vais commencer par des exemples très simples, des exemples vraiment palpables, et vous-même, vous réfléchissez, et vous voyez si ça correspond à ce qu'on dit ou pas. Alors, exemple, par exemple, nos prisons. Les prisons en Afrique, les prisons, par exemple, en Côte d'Ivoire. On a la Maca qui est surpeuplée avec plein de prisonniers qui sont couchés là-bas, qui ne foutent rien, qui mangent une fois par jour, qui sont maltraités, qui sont mal logés, qui sont dans des conditions vraiment déplorables, par exemple. À l'époque de nos ancêtres, de nos parents, les prisons n'existaient pas en Afrique. On avait des règles de la société qu'on respectait, et celui qui ne respectait pas ça, vraiment, c'était très rare, il était banni du village, ou bien de la ville, ou bien du coin, ou ceux qui puissent se débrouiller ailleurs comme ils pouvaient. Mais là, on a copié, par exemple, l'exemple de la prison des pays occidentaux, où on enferme des gens dans une boîte, et puis on leur donne à manger avec l'argent de l'État, et puis ils tournent en rond dans la prison, ils sont là, ils tournent en rond, ils tournent en rond, ils tournent en rond, ils ne servent à rien. Au Burkina Faso, avant-hier, il y a eu une discussion comme quoi des gens voulaient qu'on prenne les prisonniers pour aller faire les travaux d'intérêt généraux. Que vraiment, ils sont là, ils foutent rien, si c'est des gars qui ont fait des mauvaises choses et que ils doivent payer à la société,
ben, ils doivent sortir et puis ils doivent travailler avec des militaires qui les encadrent pour ne pas qu'ils s'évadent, pour ne pas qu'ils s'échappent, mais les gars doivent nettoyer les caniveaux, ils doivent servir à la société, en tout cas couper les arbres ou bien faire les routes, ils doivent être utilisés pour la société, comme c'était déjà à l'époque aux États-Unis. Les prisonniers cassaient les cailloux pour pouvoir faire les routes. Ouais, les gars les ont utilisés correctement pour pouvoir faire quelque chose pour avancer le pays. C'est comme ça qu'ils ont construit les États-Unis pour la plupart, les routes, les réseaux routiers et tout ça. Mais beaucoup de gens ne le disent pas, même les chemins de fer et tout ça. C'est des prisonniers que les gars prenaient pour faire ça. C'est pas les gens qu'on laissait dormir dans les prisons, qu'on nourrissait n'importe comment. Donc déjà à ce niveau-là, il y a une réflexion à faire. Mais comme on a bêtement employé, utilisé les lois que les gens nous ont données en Occident, non, les droits de l'homme, les droits de ceci, les droits de cela, ben ça fait que on a des intellectuels africains qui se fixent sur ce genre de lois-là qu'ils ont appris dans les grandes écoles à l'extérieur et qui viennent les appliquer chez nous et nous emmerder avec leur histoire de droits de l'homme et leur histoire de ceci, cela, pour faire, par rapport à des choses en fait qui ne nous ressemblent pas et qui ne vont pas en adéquation avec qui nous sommes en réalité et surtout avec nos besoins. Il y a déjà ça. Donc, sur le plan de la loi, on a des problèmes déjà dans nos pays parce que la loi que les Européens mettent en place chez eux, qui correspond à ceux qui sont de façon intrinsèque ou plus profonde d'eux-mêmes, ne correspond pas à la nôtre, au nôtre que nous avons. Je vais vous donner un autre exemple qui correspond à ça. Vous allez au village, vous rentrez dans le champ, dans les champs pour aller au champ, voilà, puis tu vois maintenant sur le champ de quelqu'un, le gars il a attaché ses escargots, ces trucs bizarres là, avec c'est ce que les gens appellent fétiche là. Et puis on dit, ah, ça là, faut pas toucher, hein, parce que si tu touches ça là, tu vas avoir des problèmes. Tous ceux qui vont au champ, tous ceux qui vont au village africain, là, personne ne touche. Personne ne touche parce que les gens ils connaissent que quand quelqu'un fait sa chose et puis il a mis son babadji là là, tu sais que si tu dois toucher ça là, c'est que vraiment tu as gros cœur, puis quelque part tu n'es pas trop sage, quoi. La majorité des gens respectent ce genre de choses-là. Mais qu'est-ce qu'il en est de nos églises, de nos mosquées? On va voir que nos frères chrétiens, nos frères musulmans, pardon, ont tendance à prôner le message du pardon, le message de la repentance. Tu t'es repenti, tu demandes pardon, donc c'est bon, Dieu te pardonne, Dieu te pardonne. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de croyants, par exemple, surtout chez les musulmans, par exemple, qui sont à la mosquée tous les jours, ils font ce qu'ils ont à faire, ils prient, ils font leurs 5 piliers par jour, mais la majorité sont chez les marabouts pour avoir autre chose dans leur vie. La majorité n'ont pas peur d'aller s'asseoir chez un marabout pour dire que voilà, j'ai besoin de ça, j'ai tel problème, donc voilà, donne-moi la solution de ceci, voilà, je te donne l'argent, je te donne ceci, je te donne cela. Ils font des sacrifices à côté. C'est pas prôné dans le Coran. Chez les chrétiens, c'est pareil. Il y a beaucoup de gens qui font des choses, par exemple, ils vont se dire que bon, à l'église, on m'a dit de ne pas voler, de ne pas mentir et tout ça, là. Mais quand je suis au boulot, je suis au bureau et que j'ai une opportunité de voler et que je suis pas de bonne foi, eh ben, je vais voler, mais Dieu va me pardonner. Qui ne vole pas? Qui ne pêche pas? Qui ne fait pas ceci, cela? Donc, par rapport à ça, vous avez dans la société beaucoup de gens qui se donnent des interdits par rapport aux lois qui sont écrites, par rapport à ce qu'on dit de ne pas faire, mais qui font quand même ce qu'ils ont envie de faire parce qu'au plus profond d'eux, ils ne croient pas. Ils ne croient pas vraiment à ce qu'on leur a donné ou bien ce qu'on leur a montré qui vient de l'extérieur. Ils ne sont pas vraiment ça. Je ne sais pas si on se comprend, hein, mais en fait, de façon globale, on a plein de choses comme ça en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire, dans notre pays, que nous faisons. Mais en fait, au plus profond de nous, on n'y croit pas trop, on ne le fait pas vraiment, vraiment, vraiment parce que notre nature africaine, là-même, y croit. On le fait parce qu'on nous l'a apporté, parce qu'on nous a dit que c'est comme ça. Maître Zoku, Oui, tu as quelque chose à ajouter? bon, là, effectivement, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est un problème très complexe, c'est-à-dire c'est un sujet avec beaucoup de facettes. Pourquoi je Oui. dis ça? Parce que si tu prends les Occidentaux eux-mêmes et puis on regarde leur mode de vie, on regarde, est-ce qu'on va dire que ça correspond à eux-mêmes leur tradition? Pas forcément. Il y a une évolution. Je donne un exemple simple. Oui. Moi, j'ai discuté avec une Française. J'ai Oui. dit, bon, on dit la France est la fille aînée du catholicisme. Il dit, mais Oui.      └                                                                                                                                                                                              ││     ││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 
avant le catholicisme, vous avez vos pratiques religieuses traditionnelles. C'est-à-dire, si on remonte dans le passé, avant même que vous ne connaissiez le catholicisme, ce n'était pas un peuple qui était là, qui était vide au niveau des pratiques religieuses. Non, vous il y aviez avait des les druides. pratiques. Il y avait les druides. Elle m'a C'est dit, ce qu'on c'est la appelle les religion druides. des druides. Voilà. Elle m'a dit, et je suis allé, j'ai fait des recherches sur les druides, mais j'ai vu qu'à quelques détails près, c'est l'animisme, elle est très commune avec l'animisme africain, là. On va dans Oui, la oui, forêt, oui, oui. on fait des invocations, on fait des sacrifices. C'est l'animisme. Donc, je veux Oui. dire que les Français eux-mêmes, là, ou bien les Occidentaux eux-mêmes, si tu prends la France eux-mêmes, là, si tu vas penser que la démocratie qu'ils pratiquent, là, si tu crois que c'est eux-mêmes leur tradition, mais tu risques de te tromper. Si tu rentres dans l'Antiquité, tu vas voir ils ont aussi connu une vie à l'époque, à l'échelle des tribus. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui. Voilà. Donc, c'est un domaine compliqué. Mais maintenant, moi, ce que moi, je peux dire, c'est que on a toujours besoin d'apports extérieurs. C'est ce que moi, je pense. Parce que la société se modifie. Mais il ne faut pas que ça soit sous la contrainte. Il ne faut pas que ça soit dans un système de domination. Pour moi, c'est ce qui nous fatigue. C'est le système de domination qui fait que tu ne choisis pas librement. Quand je prends le cas du Japon, Oui. en lui-même, le Japon n'a pas été vraiment colonisé. C'est vrai qu'à la suite de la défaite de 1945, ils ont été administrés pendant un certain temps. Mais bien avant que le Japon ne rentre en guerre en 1945, bien avant, au niveau même de la Première Guerre mondiale, mais le Oui. Japon avait déjà des signes de modernité, mais ça n'a pas été imposé. Non, ils ont regardé le monde, ils sont allés apprendre et puis ils sont venus. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et puis ils ont créé un système qui est un amalgame de modernité et de Oui. tradition. Et des Même quand traditions, aujourd'hui oui. tu vas au Japon, quand Chirac était reçu en visite officielle, mais il a été reçu par l'empereur. Oui. Sa femme même s'est habillée, si je ne me trompe pas, dans le costume traditionnel japonais. Kimono. Voilà. Ou bien je me trompe. Et Chirac même, Oui, Kimono. il a dû se plier au rythme, la façon de s'asseoir là chez l'empereur. Donc les Japonais, par exemple, c'est des gens librement, ils ont pensé leur société en faisant un alliage de la tradition et de la connaissance moderne. Tu vois? Oui. Moi, j'ai l'impression que nous, notre problème, c'est ça notre problème. On ne peut pas s'asseoir librement, on est sous domination. Donc, même ce qu'on croit avoir voté, non, c'est un schéma qu'on nous a imposé et qui, avec un vernis de démocratie, c'est-à-dire, je veux dire que le problème, ce n'est pas de s'asseoir et puis de se réfugier uniquement dans sa tradition ancestrale. Parce que toute chose est évolutive. Même les Adjoukrous, là, les classes d'âge, les générations chez les Adjoukrous, moi j'ai écouté un sachant, mais ça ne vient pas d'eux. C'est quelqu'un qui est allé au temps passé en exploration chez les Tchamans et il a vu ça et puis il est venu instaurer ça chez lui. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais ce n'est pas dans un schéma de quelque chose qu'on a imposé sous domination. Non, ils se sont assis, ils ont pensé et ils ont vu que telle chose pouvait les aider. Leur Et convient. ils ont, Voilà. voilà, ils ont intégré ça et puis adapté ça à leur coloration à eux. Donc, moi, je vois deux problèmes. D'abord, on se pense soi-même et si l'on juge, je dis bien si l'on juge nécessaire, on s'inspire de ce qui se fait ailleurs, ça c'est deux. Et puis troisièmement, en s'inspirant là, on le fait selon notre coloration à nous-mêmes. Donc, nous-mêmes, on pense ce qu'il nous faut, nous-mêmes, on trouve la solution. Si sur place, on n'a pas, on s'inspire d'ailleurs. Et troisièmement, quand on prend l'ailleurs là, on l'adapte à notre sensibilité. Voilà. C'est ce schéma-là qui n'existe pas parce que pour le moment, on n'est même pas dans la phase 1. La phase 1, ça veut dire que tu t'assois et puis tu trouves quel est ton problème Attends, toi-même. excuse-moi 2 secondes, excuse-moi.